Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour du Yu-Gi-Oh! Avec accès à la Cybertempête, la dernière display techniquement de la série 11 qui démarre, je sais plus si non, le Phantom Hypernova je crois avait déjà le 25 ans. Mais écoutez, ça fait bizarre de se dire que la série 11 est déjà terminée. On commencera la série 12 avec Duelist Nexus qui sera pour le mois de août si je me rappelle bien. Et écoutez, ne perdons pas plus de temps, hop, on se fait le tour du propriétaire comme d'habitude, hop, ça ne change pas. Comme d'habitude, ma partie préférée, on me voit. Salut tout le monde. Écoutez, c'est parti. Perdons pas plus de temps. Hop, tac, voilà. Alors, 24 boosters, 9 cartes par booster. Ça, vous avez l'habitude à force, je pense. Hop, concernant Yu-Gi-Oh! Tac, enfin, les displays principaux de Yu-Gi-Oh! Le booster est quand même sacrément stylé, en doré comme ça. Ça me rappelle Access Code, hein, c'est bête, mais je trouve le. Qu'on finisse avec Vrain, ça me fait toujours bizarre, mais écoutez, perdons pas plus de temps, c'est parti. Hop, le premier booster qui aurait été à moitié sacrifié. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau là-dedans? Du coup, je ne sais plus. Si, 1, 2, 3, 4, voilà. M'en suis rappelé. Et du coup, on est parti, messieurs, avec brillant et flamboyant roi du marqué. Furtivité, samouraï supra lourd. Pendu, le lune. Pure Lily, ok, d'accord, je comprends le jeu de mots. Chevalier Moissa, le général des comètes ici. Invention, pardon, Manadium. Protecteur du rêve Némerlia Couette. Il est terrifiant, mais il est trop drôle. Duplex totalement actif. Et Votis, qui sera du coup la super rare de notre booster. Ok. Votis, qui est un monstre, pardon, du manga Yu-Gi-Oh! R. Comme quoi, des fois, ils nous sortent quand même des trucs du cul de Lulu, on va pas se mentir. Hop, tac, voilà, ça, c'est pris. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et on est parti, messieurs, dames, ici, avec, du coup, Préservation Dinomorphia. Sakitama, qui est extrêmement fort, ça, c'est une très bonne carte. Trace de piège, ici. Grand Benkei, moine samouraï, supra lourd. Nouvelle frontière. Tigre du monde virtuel, Fufu. Duplication de fusion, ici. Fierté d'or, c'est serré. Et derrière, nous avons notre première ultra rare. Il s'agira de Aegirin Ran Jade Glace ici, qui avec, je sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais techniquement le Sword Soul qui était maléfique, bah, qui s'est fait transformer en glace. Hop, on a déjà une ultra rare, c'est cool. Donc au niveau des ratios, je vous rappelle, c'est deux secrets, deux quatre ultra rares et le reste ce sont des super. Donc on va voir ça tout de suite. Et c'est parti, messieurs, avec Axtra Kashtira ici. Châtiment âme épée. Sage Cybers. Fantôme par feu. Fête de beaux rêves, Némerlia. Princesse impériale, Queen Query, ici. Annul Sauve Worm, Cybers. Le nom, il est imbitable. Recadrage, Manadium, ici. Et derrière, réincarnation des 7e empereurs. Et bah écoutez, pourquoi pas, que nous avons en super rare. J'ai pu faire la sneak peek, je l'ai gagné. D'ailleurs, j'ai fini premier sur 38 joueurs, je crois, c'est ça, il me semble. Et bon, c'est pas moi qui ai payé mon AP, donc j'ai donné tout ce que j'avais à. Un copain, mais tant mieux, ça lui a fait plaisir. Furtivité, samouraï supra lourd. Arlecchino, abomination de l'incroyable. Pure Lily, ici. Souvenir endormi, Pure Lily. Uli, le bijou Mikanko, qui en AP était quand même giga forte avec son équipement. C'était impassable, c'était des towers sur pattes, donc merci les gars. Fana, aux oreilles de lapin, ici. Comment Dai est arrivé ici. Nouvelle frontière. Et Sinnet Rollback, ici, qui sera la super rare de notre booster. Ok, hop. Le booster suivant, messieurs, dames. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien, que Belzébuth et la famille vont très bien. Écoutez, hop, on est parti, messieurs, dames. Avec ici, brillant et flamboyant roi du marqué, Atsugai, châtiment à m'épée, un royaume déchiré et incolore. La carte est belle, je crois que c'est une. Ouais, non, si, c'est bien une carte, comment s'appelle? Visa Starfrost, ok. Sinnet Circuit ici, fête de beaux rêves, Némerlia. Bateau Sushi Gunkan du jour, la carte est extrêmement forte pour Gunkan. Double hameçon ici, et derrière tel chevalier Altairan ici qui sera la super de ce booster. Ok. Il y a quand même des cartes super sympas, bah tu le sens, de toute façon les dernières displays c'est toujours un maxi best-of de. Comment ça s'appelle? De tout ce qu'on a vu à travers les archétypes, etc. Généralement tout le monde a un peu de support, ça c'est plutôt cool. Et écoutez, messieurs, dames, on est parti pour ce booster-ci avec Pendululune. Fierté d'or, appui sur le champignon. Sakitama à nouveau. Cochon d'acier versus piqué d'enclos, d'accord. Renforcement ici. Annul Sauve Worm, Cybers. Argyros, le déchu, qui est une carte très bizarre, moi je trouve, Argyros. Recadrage, Manadium ici. Et Constellé, tel chevalier ici, qui sera la super rare de ce booster avec Caducé sur l'artwork. Ok, hop. On est parti, messieurs, dames. Tac, le booster suivant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans celui-ci? Tac.
Ah, j'ai cru voir un Supra lourd. Hop, ça c'est plutôt cool. Et on est parti, messieurs dames, ici avec Grand Benkei, Moine Samouraï Supra lourd. Symphonie Solfacor, Trace de piège, Brise Heart Manadium, Propulseur Gaiam Samouraï Supra lourd ici, Étude du Marqué, Signet Circuit, Danse Mikanko, bah voilà, Mayowa Chidori, pardon, attention de ne pas être raciste. Mais du coup ici qui est l'équipement Mikanko qui est quand même extrêmement fort. Et derrière nous avons Chasseuse de Nuit de la Force S qui sera la super rare de notre booster. Ok. Hop, oh bon. Ce booster il aurait été sacrifié pour tous les autres. Non, est-ce qu'il finalement il sera sauvé? Ok, il a été sauvé de justesse. Hein. Hop, tac. 1, 2, 3 et 4. Et on est parti, messieurs dames, du coup avec ici Arlecchino, Abomination de l'Incroyable. Double Avatar, Manifestation Aoun, Hatsugai. Sakitama, ici on a notre playset, et bah comme quoi. Fana aux oreilles de lapin, Invention Manadium, Moto Samouraï Supra Lourd, ici, Nouvelle Frontière, et derrière nous avons en ultra rare Fierté d'Or, Attacheur à Boule, qui sera du coup l'ultra rare de notre booster. Ok, ça nous fait déjà deux ultras. Pas encore de secret, donc bon, pourquoi pas, hein. Mais écoutez, hop, tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci? 1, 2, 3 et 4. C'est parti, messieurs dames, avec ici, Brillant et Flamboyant, Roi du Marqué. Pendule Lune, Châtiment âme épée, Fantôme par feu, Propulseur Gaiam Samouraï Supra Lourd, Double Hameçon, Kitsuni Kitsunebi ici, qui sera du coup le. Techniquement, c'est une short print de ce que j'ai compris, car je ne l'ai pas souvent vu cette carte. Fierté d'Or, c'est serré, et derrière nous avons Morganite Déchireuse de Temps, qui est une très bonne carte. Pour le coup, en AP, c'était dans. Re, messieurs, dames, et bah écoutez, la mémoire tampon qui m'a refait un coup, donc la caméra qui a, je sais pas, qui a décidé de me casser les couilles. Heureusement, j'ai juste ouvert là comme ça le booster, hop, je m'en suis rendu compte assez vite, heureusement, car sinon, bon, ça m'aurait foutu un peu le seum. 1, 2, 3, 4, ok, on est bon. Et du coup, messieurs, dames, ici, Préservation Dinomorphia, Symphonie Solfacor, Bête du Nuage Doré Malong, hop, Brise Heart Manadium, Étude du Marqué, Signet Circuit, Duplex Totalement Actif, Danse Mikanko Mayo Washidori. Et derrière, Renaissance des 7e Empereurs, ici, bah écoutez, comme ça on a les deux. Je sais plus s'il y a la magie, non, je crois que la magie elle est pas dedans, des 7e Empereurs, mais écoutez, ça fait super bizarre qu'ils les aient importés là-dedans plus qu'autre chose. Genre, Bataille des Légendes qui arrive prochainement en plus, mais bon, bah écoutez, pourquoi pas, hop. Le prochain booster, qui c'est notre 11e booster, tac, et on est parti, messieurs dames, avec Pendentif, what the fuck. Un Royaume Déchiré et un Color. Axtra Kashtira, Grand Benkei, Moine Samouraï Supra Lourd. Duplication de fusion, Tigre du monde virtuel Fufu, Princesse impériale Queen Kerry, Recadrage Manadium, et derrière Dragon par feu de singularité qui rejoindra nos secrets. Il est super beau comme ça. Par feu en Link 6, du coup, 3 monstres à effet. Effet rapide, vous pouvez cibler un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire ou dans votre cimetière inférieur ou égal au nombre de types de cartes différents, rituel, fusion, synchro et Xyz. Que vous contrôlez et dans votre cimetière, renvoyez-les à la main et si vous le faites, cette garde gagne 500 d'attaque pour chaque carte renvoyée. C'est une 3500 de base. Si un monstre pointé par cette carte est détruit au combat ou envoyé au cimetière, vous pouvez cibler un monstre Cybers dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, vous ne pouvez utiliser chaque effet de singularité qu'une seule fois par tour. Il est gras le monsieur, il est super beau en plus. Et bah écoutez, notre première secrète, au moins ce sera fait. Et on arrive également, messieurs dames, à notre 12e booster, donc la moitié de notre display. Hop, c'est déjà ça. On avance vite, hein, comme d'habitude. Hop, c'est parti. Avec ici, Double Avatar Manifestation Aoun, Sage Cybers, Trace de Piège, Protecteur du Rêve de Nemerlia Oreiller, Nouvelle Frontière, Moto Samouraï Supra Lourd, Invention Manadium, Chevalier Moissa, le Général des Comètes, et derrière, en super rare, Commandant Shawanawo, Samouraï Supra Lourd, et bah écoutez, qui rejoindra une poule de super rares. Lui, je l'avais même pas vu durant la. La paix, j'ai un doute maintenant. Non, je crois que c'est pas lui que j'avais vu. C'était un autre? J'ai un doute, je vous avoue, j'ai un doute. Bon, ce booster-là aussi aura été sacrifié pour les autres, tant pis. Hop, voilà. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et c'est parti, messieurs dames, ici avec Hatsugai. Fantôme par feu. Brise Heart Manadium. Arlecchino Abomination de l'Incroyable. Étude du Marqué. Moto Samouraï Supra Lourd. Comment Dai est arrivé ici? Protecteur du rêve de Nemerlia Couette, et derrière Votis qui fait son retour, aïe, en super rare, dommage. Ça, je préfère, vous savez, hein, je préfère quand il n'y a pas de doublons dans les displays, ça malheureusement. Bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, on peut pas se battre avec. Hop, 1, 2, 3 et 4, et on est parti, messieurs dames, avec ici du coup Brillant et Flamboyant, Roi du Marqué. Fierté d'Or, Appui sur le Champignon, Pure Lily. Sakitama ici, Recadrage Manadium, Renforcement, Fête de Beaux Rêves Nemerlia,
Invention Manadium, et derrière Kitty Tail, bête mystique de la forêt. Ok, qui sera du coup en super rare. Il est très belle la carte. Les bêtes mystiques de la forêt, hein, les cartes sont généralement super belles. Hop, tac, voilà. Allez, veux-tu bien venir, sale bête? Voilà, hop, ça c'est fait. Et du coup, messieurs, dames, 1, 2, 3 et 4. Et on est parti ici avec Cochon d'acier versus Pico d'enclos. Préservation Dinomorphia, Atsugai, un royaume déchiré et incolore, Chevalier Moissa, le général des comètes, Duplex totalement actif, Sainet Circuit, Tigre du monde virtuel Fufu, et derrière, eh ben, ça c'est une très bonne ultra rare pour le coup, Ringo Worm, le dragon protecteur des 100 pommes, qui est vraiment extrêmement fort pour le coup, donc on l'a chopé, ça c'est cool. Du coup, notre troisième ultra rare, plus qu'une secrète, plus qu'une ultra, ça avance, messieurs dames, hop, voilà. Le booster suivant est ouvert, tac. Et on est parti, messieurs dames. 1, 2, 3, 4. Ouais, on est bon. Alors, on l'a pas encore eu, c'est vrai. Tour des rêves de la princesse Nemerlia, ici, qui est bien. C'est une très bonne carte. Bête du nuage doré Malong. Double avatar manifestation Aoun. Souvenir endormi Purli. Commandai est arrivé ici. Double hameçon. Fana aux oreilles de lapin. Recadrage Manadium. Et derrière, moisson ange de la mort. Et bah écoutez, oh, pour une fois qu'ils utilisent le mot mort, attention. C'est comme les fans de Pokémon. Mais écoutez, donc en super rare, qui est une très bonne carte aussi pour Counter Fairy, mais surtout tuto les cornes du paradis. Que ce soit la base ou la dark, qui sont pour le coup de très bonnes cartes. Hein. C'est juste, bah, vu que c'était pas tutorisable, c'est toujours le même problème. C'est Counter Fairy, ça se joue ce genre de carte, mais pourquoi toi tu le jouerais si bah, c'est pas ta main mécanique. Pure Lily ici. Furtivité Samouraï Supra Lourd, Pendentif Pendule, Fierté d'Or appuie sur le champignon, Renforcement, Danse Mikanko Mayowa Shidori, Chevalier Moissa, le général des comètes, Étude du Marqué, et derrière nous avons Constellé Tel Chevalier Aya qui fait son retour ici, mais du coup en super rare, ça c'est un peu dommage. On a deux doublons pour l'instant, oui, j'aime pas. Hop, tac, voilà. Et du coup, messieurs, dames, on est parti, hop, voilà. 1, 2, 3. Re à nouveau, messieurs, dames, c'est vraiment la journée, là, la caméra, je pense qu'elle essaie de me faire passer un message, elle est énervée. Mais écoutez, protecteur du rêve, Nemerlia, oreiller, Braise Earth, Manadium, cochon d'acier versus piqué d'enclos, pardon, trace de piège, fête de beau rêve, Nemerlia, princesse impériale, Queen Query, double hameçon, ici, commandai est arrivé ici, et le bestial Alubert, qui sera du coup la dernière super de notre booster. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, et le sixième, bon. En espérant que cette fois-ci ce soit la dernière grosse ligne droite, parce que bah je vais essayer de voir ce qu'elle a la caméra, mais alors ça me met mémoire tampon, donc je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est la carte SD qui commence à lâcher ou autre, ça me fait un peu peur, j'espère que c'est pas la caméra surtout. Atsugai ici, Symphonie Solfacor, Tour de rêve de la princesse Nemerlia, Pure Lily, Duplication de Fusion, Kitsuni Kitsunebi, Propulseur Gaiam Samouraï Supra Lourd, Bateau Sushi Gunkan du jour, et Tel Chevalier Liran ici qui rejoindra nos super rares. Ok, hop. On est parti pour le prochain booster, messieurs dames. Donc il nous reste, avec tout ça je ne sais plus, ouais, il nous reste une ultra, une secrète pardon, à choper. Hop, tac. Et on est parti, messieurs dames, avec Pendentif Pendule, Axra Kashtira, Souvenir Endormi, Un Royaume Déchiré Incolore, Étude du Marqué, Danse Mikanko Mayo Washidori, Chevalier Moissa le Général des Comètes, Moto Samouraï Supra Lourd, et derrière Histoire de l'Origine Libromancienne. Il y avait encore des cartes librement anciennes, je savais vraiment pas. Après celle-là, ouais, ça a l'air d'être une Jap exclue, ok. Enfin, à la base, Jap exclue, mais du coup, en ultra rare, et bah écoutez, pourquoi pas, hop. On passe au booster suivant, messieurs dames, plus que c'est notre quatrième booster avant qu'on ait terminé. Bon, les boosters, ils ont un problème, j'arrive plus à les ouvrir comme il faut. Hop, tac, voilà, et on est parti, messieurs dames, 1, 2, 3 et 4, hop, c'est bon. Pendule Lune, ici, double avatar manifestation Aoun. Bête de nuage doré Malong, Sage Cybers, Commandai est arrivé ici, Argyros le déchu, Princesse impériale Queen Query, Invention Manadium, et derrière Abscission Manadium ici qui sera du coup en super rare, écoutez, qui est une bonne carte je crois pour Manadium en plus, qui est peut-être leur moteur à draw, je crois, dans sa tuto, je ne sais plus, mais de mémoire c'est vraiment c'est la meilleure carte magie de Manadium en tout cas. Hop, ça c'est bon, 1, 2, 3 et 4, et c'est parti, messieurs dames, avec ici Cochon d'acier versus Piqué d'enclos. Tour des rêves de la princesse Nemerlia, Grand Benkei et Moine Samouraï Supra Lourd, Fierté d'appui sur le champignon, Fierté d'or, pardon, appui sur le champignon, Tigre du monde virtuel Fufu, Protecteur du rêve Nemerlia Couette, Duplex totalement actif, Duplication de fusion, et derrière Dragon du Souhait, ici qui est une carte de chasse dans le manga GX, donc il est pas beau. Moi je le voyais pas de ces couleurs là, du coup il est bizarre, mais en plus il est pas beau. Messieurs dames, notre avant-dernier booster, hop,
C'est parti. Tac, voilà. Ça, c'est bon. Hop. Et on est parti avec 1, 2, 3, 4. Notre ami Sakitama ici. Donc on aura plus. On aura 5 Sakitama, ça c'est cool. Symphonie Solfacor, Extra Kashtira, Protecteur du rêve Nemerlia, Annul Sauve Worm Cybers, Uli le bijou Mikanko, Fierté d'or c'est serré, Bateau Sushi Gunken du jour, et Lulula, oui, Lulua Lilis, pardon, Despiane, qui sera la secret de notre booster. Et bah écoutez, pourquoi pas, moi je dis pas non. Hop, tac, et on est parti, messieurs dames, notre dernier booster. Donc en théorie c'est qu'une super, mais bon, eh, qui t'a kiffé, ça se trouve la Starlight. Si ça se trouve, la Starlight. Je sais, non, la Starlight de mémoire, ça remplace une secrète, mais bon. Elle a display bugué, on sait jamais, hein. Arlecchino, Abomination de l'Incroyable. Double Avatar, Manifestation, Aoun. Bête du Nuage Doré, Malong. Châtiment, Amépé. Renforcement, Kitsunebi. Argyros, le Déchu. Fana, aux oreilles de lapin. Et derrière, Prodige, Wakaushi, Samurai Supra Lourd. Bon, écoutez, au moins, c'est une super que nous n'avons pas eu. Et bah écoutez, messieurs dames, c'est tout pour cette ouverture. Hop, nos communes, pardon, elles sont ici. Nos super rares, hop, nos 24 super rares. On a eu quand même quelques doublons. Votis, bah je crois que c'est tout. On a eu Votis et oui, comment il s'appelle, les constellés. Enfin, les constellars. Nos ultra rares, on a eu Ringo Worm. Ça, c'est une très très bonne ultra pour le coup. Dommage qu'il soit pas en commune comme au Japon, ça c'est terrible, mais bon. Ça, on peut pas tout avoir. Et écoutez, au niveau des secrets, on a eu Lulua Lilis qui est de mémoire extrêmement bien, et le Dragon Pare-feu Singularité qui est la carte du booster, donc ça, je vais clairement pas me plaindre. Sur ce, messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous retrouve évidemment pour d'autres Yu-Gi-Oh! Et Yu-Gi-Oh! Rush Duel, mais si ça intéresse sur la chaîne, sachez que je ne fais pas ça, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana dès qu'il sera disponible, du Magic the Gathering, du Pokémon, c'était Siwed. A plus tout le monde.